Et on n'en a pas besoin. Allez, Frozen Factory, c'est parti. Je suis mort à la fin, t'es sérieux? Et merde. Stylé ces petits sauts qui nous fait là le Sonic. Prends les bestioles. Faut libérer les bestioles. You have to libérer all the petites bestioles. Évidemment c'est du pétrole, le pétrole ça fait mal. Je reste trop collé à l'écran gauche. Bah en même temps j'appuie pas sur le joystick, c'est normal que je reste collé à l'écran gauche. Ah, fucking. Voilà. Oui. Checkpoint. Or, jusque là tout va bien, je suppose. Le P... Bah, y a troll dans pétrole, donc c'est normal que ça troll. Bon après c'est mal écrit mais... Chut. Sympa cette musique. Fucking. Bon. Voilà. Libère les fucking bestioles dude. Ouais je suis bon pour tout recommencer. Commencez trop la classe. Heureusement que c'est pas ultra long ce que j'ai fait hein. Oui. Je vois les changements. Je dis les changements rapides de caméra, on dirait du Michael Bay hein. Hop. Voilà. C'était mieux là. Oui. J'avoue qu'à cette vitesse, c'est pas top pour les gens qui ont des problèmes genre avec les vitesses de mouvement, ce genre de choses. Hein. Bon ça va, je supporte ça relativement bien, mais je me mets à la place de ceux qui sont pas fans. Je me dis, c'est le Gerborama ce coin. Récupérer des anneaux au passage. Ok. Je vais le libérer, délivrer dans le chat. Après, le panorama depuis le ciel est magnifique, je trouve. J'ai un truc qui attire les anneaux là sur moi ou quoi? J'ai vraiment l'impression d'attirer les anneaux. Bon, après, je me plains pas. Hein. Tellement pas prêt pour l'acte 2 de cette zone. Bah, écoute, faudra bien parce que j'y arrive là à l'acte 2. Hein. Oula. Ah mais j'ai pas fait le saut. Gerborama, ça passe dans le manuel. Ah, tu devrais. Quand quelque chose bouge tellement que ça donne envie de gerber, c'est le Gerborama. Heureusement que j'ai des cachetons pour le crâne, hein, c'est vrai que les changements de caméra, ça commence tout doucement à être en mode... J'ai l'impression d'être bourré alors que je bois pas. C'est quand même un sacré paradoxe. Ah, je crois que quand tu fais un saut comme ça, t'attires les anneaux. Oh. Du coup, tu peux le faire comme ça au milieu, ça attire tout d'un coup, c'est pratique. Hop là. Le confinorama, le fait d'être confiné, ça marche aussi. Ah ! Putain ! Putain, mais oui, tout à fait ! Ça mélange entre fuck et putain.
fut un. Voilà. C'est il fut un temps. Voilà. Tout à fait. Ah, c'est quand même beaucoup plus pratique comme ça pour récupérer tous les anneaux. Hein. Bon bah désolé pour ceux qui supportent mal ça, mais on va encore devoir se le coltiner un petit moment. Hein. Hop. Voilà. Bon maintenant on arrive à choper les anneaux plus ou moins en un seul saut. Voilà, espèce de fils de flûte. Un perso de BD, le futin, lol. Non, non, c'est un... Il écrivait des chansons, c'est Michel Futin. Ok. Bon, le 5-4-3-2-1, je vais pas le faire, hein, ne serait-ce que pour... à dire par égard pour ceux pour qui c'est le Jarborama, là. Avec la musique tout de suite, genre, hé, hey, t'as envie de gerber, pas vrai? Voilà, en plus on récupère notre centième anneau. C'est marrant parce que quand tu te fais comme un bilbal ou un balai. Un bilbalai. Dis-moi que c'est bientôt la fin de la zone, parce que là... on dirait bien, ouais. Allez, ramène-moi vers un niveau où je peux courir, s'il vous plaît. Ah, c'est mieux là, non? Oui! Oula! Ah oui, si le monde 4. Le monde 4 est tout le temps comme ça pour ceux qui connaissent le jeu. Ah, c'est une vraie question pour savoir si. Savoir si en gros je fais une pause après le monde 4 pour me remettre la tête merde dans la sang. Non, c'est juste ce niveau là. C'est encore pire. Oh d'accord, c'est encore pire. Oh mais espèce de FDP. Voilà, saloperie radioactive. Celui qui est aussi contrairement à Mario. Pire mais différent. Oh shit. C'est pas très rassurant ce que tu m'annonces là, mon cher Chompy. Hein. Mais. Voilà, prends ça. Je sais pas quand on pourra le choper. Attends, j'avais une mission, non? 10 rings avec le laser. Oh, ok, enfin 10 anneaux. Voilà, là normalement. Voilà, c'est fait. Dix anneaux avec le laser, c'est fait. L'acte 3 est pas pire, mais c'est toujours différent. T'as pas à dire, hein, tu sais vendre les choses. T'as l'art de savoir... C'est l'art de vendre les choses, mais... Mais j'ai déjà fait tout ça. C'est moi où le niveau se répète. Ah oui, le niveau se répète, hein, clairement. Attends, là, il y avait des ressorts. Ah. C'est déjà autre chose par ici, hein. Ok, en fait, j'ai vraiment l'impression que le laser, ça remplace le light dash des... C'était quoi ce glitch? Qu'est-ce que c'était que ce glitch? On m'explique? Non, non, on m'explique, c'était quoi ce glitch que je viens de faire, là? Ok, je reviens ici. Ça t'a bien glitch? Ah bah, du coup, j'ai plus le whisk, bah oui. Ok, en plus c'est la fin du level, apparemment c'est le dernier anneau rouge là.
Ouais. Bon. Voilà. Niveau terminé. Woub. Ouais, tout doucement, à 1400... Non, 1360, pardon. Ripley acte 2. Attends, j'y suis pas encore. Ouah, t'aurais pas quelque chose à compenser? Dis-moi, combien d'usines militaires est-ce qu'il te faut exactement? Si tu passais pas tout ton temps à me les détruire, j'aurais pas besoin d'en avoir autant. Certes. Tout à fait, Sharkan. Voilà, hein. Oh, merci de m'avoir réparé. Pas de problème. C'est vrai qu'avec cette puce vocale, on aurait dit que t'avais été conçu par un gamin de 2 ans. Tu sais, je crois que je préférais quand j'essayais de te réduire en miettes. Ouais, et bah c'est réciproque, tête d'œuf. Wow, wow, wow! Avant qu'on ne réduise qui que ce soit en miettes, essayons plutôt de nous rappeler pourquoi on travaille ensemble. D'accord, vas-y, rappelle-le-moi. Tails, on a besoin d'Eggman pour mettre sa machine hors d'état de nuire. Et tu penses que j'en suis pas capable? Quoi? Non, je sais que t'en es capable, c'est juste que... Non, c'est pas vrai, tu crois plus en Eggman qu'en moi. Tu sais à quel point ça m'attriste. Je crois en toi, Tails, mais le monde entier est en danger parce que j'ai fait un truc vraiment stupide. Yep. Tu sais à quel point ça m'attriste? Franchement, y a rien de plus triste que d'avoir à écouter cet épouvantable. Vous répétez un peu les doudes, hein. Eggman, boucle-la. Bon. L'acte qui va me sodomiser le pimpon. Ouais, j'ai gagné une vie. Oula, qu'est-ce que c'est que cet endroit déjà? Bonjour. Agrippe un rapport et escalade 5 fois. Ok. C'est combien pour le boss? 1100. On a déjà de quoi y aller. Bonjour madame. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je suis juste en train de me préparer. Ouais, en tout cas j'ai l'impression que tu prends tout ton temps. Après tout, ce sera bientôt mon tour d'entrer en scène, n'est-ce pas? Et si je te disais que je ne faisais confiance qu'à toi, parce que tu es de loin la plus rapide, la plus intelligente, la plus belle... Ouais, tu veux surtout te la taper. ...ce parasite bleu. Eh bien, je te répondrai que tu as tiré le bon numéro. Ça, c'est là, oui. C'était si facile que je m'en sortirais presque coupable. Tu devrais attendre qu'elle se barre avant de dire ce genre de conneries, monsieur. Allez, acte 2. What? Mais c'est un... On doit faire un Katamari, là, ou quoi? Ah non. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Non mais sérieux, ça, ce niveau, c'est Katamari Damacy, en fait. Il s'appelle Zina. Zina la guerrière. Ah d'accord. Bon bah... Allons-y, hein. Ah, je viens de me déjouper. C'est mignon, sa façon d'insister pour éviter tous ces pièges mortels, ses ennemis et tout. Je crois qu'il en pince pour moi. Tu veux pas fermer ta gueule, madame? Non, 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 non. On va pas prendre le risque de skipper un checkpoint. Voilà. C'était le deuxième. Ok. Oh! Je suis passé, tas de pimpon! Saloperie, va. Ok, jusque là tout va bien. Qui en passe pour une permèche pareille? Bah, y'a des gens, malheureusement. Hein. Y'a des gens dont ce genre de fille, c'est le genre. Spoiler alert. J'aime qu'un homme fasse preuve d'initiative. Je ne suis pas l'une de ces personnes. Surtout parce que j'adore me faire draguer. Ouais. Mais toi, chérie, tu n'arriveras pas à m'approcher. Madame, ta gueule. Non, vous m'aurez pas les scratch. Nope.
C'est des bobombes les machins en fait. Bon ça va c'est... D'accord, mais je comprends pas pourquoi il ressent le besoin de se mettre dans une boule de, dans une boule de neige géante. C'est vrai que pour l'instant, Zina, on l'entend moins que les autres. Pour l'instant. Ok, donc faut esquiver ces machins-là parce que c'est des bombes. Qu'est-ce que tu fais? Eh, hey, c'est par là. Voilà. Ah, un anneau rouge. Je sais pas c'est lequel. Toi, checkpoint pour nous le dire, s'il vous plaît. Le troisième, ok. Vas-y, je vais passer par là, il y a shit ton d'anneau. Attends, checkpoint par là-bas, je vais le prendre par sécurité. Ok, 68, le teaser ultime. YOLO! Ah! Un retour dans le billard. Pourquoi pas. Il y a quelque chose de spécial si on arrive à mettre toutes les boules dans les trous. C'est pas le titre de ma sextape, je vous jure. Non. J'ai dit... Ah! Saloperie! Ça va, il me reste encore une dizaine de vies. Je suis pas trop mal barré. Ouais. Oh punaise. Oh, trop court. Ah oui, non mais là, oui d'accord. Là ils se sont gavés les enfoirons, hein. Non, non, tu ne m'auras pas. Tu ne m'as pas eu. Ok, on lâche l'accélérateur et on est bon. Moi je passe tout droit, je m'en bats les steaks. Hein. Je vais me faire une manucure, une pédicure et un masque à l'avocat après cette affreuse journée. Ta gueule, madame. Tu parles beaucoup trop. Ah, c'était rigolo. Regardez-moi tous ces anneaux là. Je les prends. Parce que je suis pas rassuré. Parce qu'il a vraiment rien dans le cul, ton coco. Quand tu veux, hein. Cette chute tout en mode. La 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 la. Oh, bonjour. Ok, est-ce que je peux les rentrer dedans? Ok. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire ici? La formule d'invocation dogma, ça. Bah écoute, si ça peut l'invoquer, moi je veux bien. Hein. S'il peut venir sur le stream, je serais content de le voir, ce cher Ogma. Samantha. Ah mais il a vraiment rien dans le cul ton coucou. Mon cher Ogma, il a vraiment rien dans le cul ton coucou. Allez, viens là espèce de vilaine madame. Eh, hey, comment que c'est Mister Autruche? Ça marche pas. Mais... Ah, faut taper la tête. Ah bah c'est Birkenstock aussi, hein. Après avec Ogma ne cherchez jamais à savoir pourquoi il dit ces choses. Tu la bats comment? Apparemment faut que tu prennes de la vitesse avec la bouboule. Et je crois qu'il faut viser la tête. Genre comme ça. Ah. Ou pas. Tiens, attends, je vais prendre un petit peu de vitesse.
J'avais réussi à la taper là tout à l'heure, j'ai l'impression, non? Bon, au pire. Et faire un petit tour de la planète en prenant de la vitesse. Non mais c'est ce que je suis en train de faire, Merchant. Tu crois que je suis en train de faire quoi? Que je me touche la nouille, là? J'essaie d'avoir suffisamment de vitesse pour les tataner, je suis pas là en train de les caresser, hein. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est juste que voilà. Surtout qu'il n'y a pas un signe qui dit « Hey, la madame, elle est là !» Ah oui, s'il y avait un signe qui disait. On va faire des caresses à Zina, tu m'étonnes. Ah, là, je l'ai touché. Je crois. Elle est où? Elle est là. Voilà. Eh, hey, viens là, espèce de vilaine madame. Boum. Bah, j'ai enfin réussi à le... Ah, oh, ok. Là, maintenant, je sais c'est laquelle, hein. Non, je vais peut-être me barrer de là, moi. Sonic Pilbo n'est plus Sonic, lol. J'ai touché là ou pas? Où elle est? Oh putain, ce boss de merde là! Ah, si seulement je pouvais vraiment me battre plutôt que de rouler en boule comme un crétin. Mais. Mais vas-y, pète-les là, t'as de la vitesse! Je comprends pas là, hein. Ah oui, je comprends mieux parce que l'acte en lui-même était pas difficile, mais. Mais c'est quoi cette programmation du cul? Non, mais sérieux, c'est quoi ce code du cul là? Ah oui, puis en plus c'est en temps limité, mais oui, bien sûr! Mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de rouler, de prendre de la vitesse, ça suffit pas! Mais foutez-vous bien un cactus dans le cul, les devs, la merde! Ah non, mais sérieux, y a... la... c'est quoi la technique, là? Sérieux, prendre de la vitesse et foncer dedans, je fais que ça! Et ça marche pas! Ça marche quand ça veut, cette merde! J'aurais aimé savoir ça moins de 10 secondes, enfin plus de 10 secondes avant la fin du compte à rebours, hein, perso. Ah oui, non, mais forcément, si je dois faire ça comme ça. Ouais, et bah, spoiler alert, c'est lourdingue. Voilà, je le dis, ce boss, c'est de la merde. J'irais même que c'est du gros caca en barre. Ce temps limité, il est complètement useless ici. Complètement.
Génial, ça commence déjà par ne pas marcher, super. Les couleurs, les nonoïs. Pourquoi tu me demandes ça? Oh non, mais c'est le dernier! Sérieux? Putain! Voilà, viens là, espèce de connasse. Et prends de la vitesse aussi, triple con, toi! Bombe, ça reset. Tiens, faire ça combien de fois? Oui, bien sûr. Je raconte beaucoup de conneries, madame. Ok, pourquoi ça n'a pas marché? Je sais pas. Oui, ta gueule. Mais pourquoi ça marche pas? J'ai la vitesse là! Gonflant, putain, c'est gonflant. Oh. Ouais, ta gueule. Ah oui, c'est génial, hein. Putain, c'est génial, tu prends de la vitesse, tu rentres dedans, ça marche pas. Non mais putain de boss de merde, quoi. Mais sérieux, ça sert à quoi de prendre de la vitesse? On te demande, hein. Prendre de la vitesse, foncer dedans, ok. Si vous me laissiez plus de 3 secondes pour faire la chose, ce serait bien aussi, non? Je vais la claquer la manette, c'est pas possible, hein. Ah, c'est probablement le pire. C'est probablement le pire boss de la création, là, c'est pas possible autrement! Non mais regardez-moi ça, quoi! Tu dois manœuvrer parfaitement sur un truc où les machins, ils t'arrivent 2 secondes, hein, enfin... Ah, oh, tu... Bah j'ai le bouton de sprint enfoncé en permanence, hein. Si, ça a une influence. Mais j'ai le truc, je suis à fond, là! Vas-y là, va te faire foutre. Ce boss est une énorme merde. C'est un énorme tas de merde avec de la merde en coulis par-dessus. Temps limité est complètement inutile pour ce truc. Voilà. Temps limité n'est pas nécessaire. Merde.
boss en lui-même est déjà suffisamment compliqué, c'est qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. C'est génial. C'est génial. C'est génial. J'aime faire ce qu'il faut et ne pas et que ça ne marche pas. J'aime les jeux codés avec le cul comme ça. Non mais c'est pas possible. Combien de vitesse il te faut pour que ça fonctionne? Tu m'expliques? Non mais c'est pas possible. C'est pas possible, on est d'accord. Non mais. Pas possible, je fais le tour de leur putain de planète en prenant de l'élan, de la vitesse comme il faut. Mais ça lui suffit toujours pas! Bien sûr, celui où je dois avoir le coup, ça fonctionne pas non plus! Ah oui, non, mais là, partant de ce principe, je vais passer ma soirée là-dessus, hein! Ah bah, tout de même! Je comprends tellement pas pourquoi, quelle utilité ça a de tous les péter. Enfin, juste de péter le bon. Mais pourquoi? Je comprends vraiment pas la logique de ce truc. Je comprends vraiment pas la logique. Il y en a pas de la logique, oui. Et bien sûr, quand j'ai la vitesse, je touche le mauvais. Mais réapparaît, sale catin. What? J'en ai 9 à péter, tu crois vraiment que j'ai le temps d'en péter 9 là? La dernière phase, ouais, bah putain! Rassure-moi, on a un vrai affrontement contre elle à la fin du monde, pas une connerie dans ce genre! Ah bon, au moins ça va, c'est qu'une fois. Allez. NON ! Reviens ! Pétasse !
Ah non, mais ce boss, mais c'est une sombre merde. Doublé de merde, enrobé de merde, avec de la merde par-dessus. Non, la pause, c'est à la fin des mondes. Merde, à la fin. Je fais pas une pause en plein milieu d'un combat. La pause, c'est le repos du guerrier, pas le repos du mec qui abandonne. Tu m'expliques pourquoi ça passe pas pour le dernier ? Non. Mais pourquoi? C'est le dernier! Tu le fais exprès là! M'explique pourquoi ça fonctionne quand j'ai pas de vitesse et que pourquoi ça fonctionne pas quand j'en ai. C'est le comble quand même. Tu dérives d'un millimètre, tu perds tout quoi. C'est pas possible. Y'a aucune logique dans ce combat, aucune! Le jeu a décidé, tu perdras 20 vies, tu feras 3 game over ici parce qu'il l'a décidé, point! Mais non, y'a pas de dash, y'a juste un bouton pour accélérer, je l'ai constamment maintenu! Partant de ce principe, il y a un problème, ce boss est codé avec le sillon interfécier. Je sens que je vais finir par regarder un guide pour faire le truc rapidement. Je commence vraiment à en avoir ma claque là. Je vais pas passer 5 heures là-dessus. J'ai déjà passé 5 heures sur un boss mardi. Non merci. Bon, on va regarder parce qu'apparemment ça a décidé de me faire chier. Voilà, hein.
c'est quoi ce bordel? Quelqu'un m'explique. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, bon, jeuxvideo.com c'est toujours aussi useless. C'est bon à savoir, c'est presque rassurant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je m'en fous des Red Rings, je veux savoir comment on tatane le boss. Dégage avec tes cookies là. J'avance pas tant que j'ai pas de technique. Hein. Apparemment, tu peux faire du spin dash là-dedans. Ah bah ben oui, forcément, si tu sais pas que tu peux faire du spin dash dans la boule. Ah bah ben oui, forcément, ça va être beaucoup plus simple maintenant. Ça va être beaucoup plus simple maintenant. Bon, à nous deux, pauvre con. Ah oui, ça c'est de la vitesse. Ah voilà, ça c'est de la vitesse. Ah, tout ce que j'ai à faire c'est faire spin dash et c'est parti. Merde. Allez, on y va. Tu fais moi ta marionnette maintenant. Hein? Ouais, c'est ça, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui va se faire. Merde! Qui va se faire péter la gueule. En fait, c'est littéralement du Mario Galaxy 2 avec le Mario Rocher, quoi. Ah bah, clairement, j'ai les boules. Je crois que ça s'est entendu. Eh, pauvre con! Tiens! Dans ta sale gueule de merde! Nom d'un petit canard en plastique. Voilà. Ouh, c'était vraiment cool! Sonic est une boule, j'en exactement. J'en ai encore des frissons partout. Oh, c'est de l'humour, c'est une blague. Je reconnais que tes efforts sont impressionnants, petit hérisson, mais sache que ton destin est échoué. Bon, enfin, GG, là, j'avoue que j'ai pas vraiment de mérite. Hein. Eh bien, le gros lard en question va vous arracher le cœur, bande de saletés. Waouh. Wow. Tes menaces sont presque aussi ridicules que ta moustache. Mais je me dois. Comment il a les boules, le Eggman. Grâce à elle, nous devenons de plus en plus forts à force de puiser la vie dans votre monde en déclin. Ouais, j'avais remarqué. Dites, où est-ce que vous allez vivre quand votre monde sera mort, les gars? On dirait pas de fermer ta gueule. C'est vrai, vous serez mort moi aussi. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Je réduirai vos mondes en cendres, espèce d'infâme traître. Je détruirai tout ce que vous aimez et je vous forcerai à regarder. Ah, là c'est surtout j'ai plus de punchline alors j'ai juste du punch. Chef, vos mains. Tant qu'elles ont encore la force d'étrangler un Yeti, mes mains vont très. J'aurais pas fait ça après avoir pris des coups comme ça. Hein. Ça c'est un détail. Bon. Et ben voilà. Oh, un casino night. Lul. On a validé une mission ou pas? Nope. Bon, bah je crois que dès que je peux, je vais utiliser les items que j'ai en réserve. Hein. Utiliser les items pour mettre des vies à la place. Est-ce que je peux mettre ça ?
Voilà. C'est parti. Oh. Ah non. D'accord. Je pensais que c'était des wisps, autant pour moi. Ok, les jetons, ils servent à quoi là? Merde, j'ai oublié de sauter. Ouais, je suis assez d'accord sur le fait que cette zone puisse être vraiment chiante. Mais bon. Après, il faut bien passer par des passages un peu plus difficiles pour progresser. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais voilà, là, c'est vrai que... Oh. D'accord, tout ça pour ça. Oh. Alors, on y va à fond. C'est parti. D'accord. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire. Spoiler alert. Ah, faut faire 1500 points, apparemment. Si j'ai bien compris. Voilà. Et il faut que j'aille dans le truc là-bas. J'ai l'impression. Voilà, c'est bon. En vrai, j'avoue que le flipper, c'est ça. Oh, c'est les vieux trucs, on dirait les vieux trucs des spéciales sages dans Sonic 3. Après, il leur faudrait un... Ce jeu a quand même bien besoin d'un bouton pour changer rapidement de côté, comme dans les plus récents. Genre Generation et tout ça. Allez. Nouveau flipper. Ah non, pas nouveau flipper. Autant pour moi. Ah mais il est où Dédé? Dédé! Oui! Et les courts fistons courts et en danger. Ah, c'est déjà la fin? Putain, cette zone était presque trop courte. Mais bon, s'il te plaît. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Vous savez, la réussite, c'est d'être un Roxor. Tout à fait limant, mon cher Ogma. J'approuve. Je dirais même que j'agris avec ton above statement. Ok, on va lui retataner le pimpon à l'autre vilaine madame. Y a pas une vie quelque part là? Ah non, il n'y a pas l'air d'avoir de... Bah tant pis. Allez, zone 4, on y va. Salut. Allez, fiche le camp d'ici, Blanche-Neige. Lors de notre dernière rencontre, tu as fichu en l'air ma manucure. Bon, bah les couilles. À cause de toi, je suis obligée de remettre une couche de vernis. C'est pas vrai. Bon, bah les couilles. Est-ce que t'es sérieuse? Tu m'envoies vraiment désolée. Oh, eh bien dans ce cas... Oh non, ce que je voulais dire c'est je suis vraiment désolé que t'aies rien trouvé de plus intéressant à faire dans la vie. Poupoupou. Tu vas me le payer très cher. Enfin, dès que mon vernis sera sec. Je vais vous torturer, vous êtes sans dire à la fin des temps. Ah bah, c'est même sûr, Goldlagron, hein. Alors, juste pour être sûr, je me dois de poser cette question. Il y a un vrai combat à la fin. Pas encore une séance de boule de neige. Cool. Fuck, fuck, fucking. Ah, dommage. Dommage, ça aurait été stylé. Mais bon, les points de style, ce sera pas pour aujourd'hui, j'ai l'impression. Oh, je veux juste me prélasser. Mais voilà que débarque ce ringard de hérisson. Sérieux? Ça te dirait pas? Les chaussures sont atroces. Et c'est... Ferme-la, madame, tu parles beaucoup trop. Ok. Apparemment, on ne fait pas de spin dash sur la glace.
Notez, on ne fait pas de spin dash sur la glace. Mais j'ai vraiment l'impression d'un... Oh, je sais ce que ça me rappelle. Vous vous souvenez de la glissade dans les bois dans Mario Galaxy 2 avec les pièces violettes? Ça me rappelle ça. J'ai vraiment l'impression d'être dans ce niveau-là. Bon, avec de la glace à la place de la forêt, mais ça, c'est un détail. Lul. L-U-L. Comme les modes sur Twitch. En majuscule. Ah oui, bah c'est... Ah bah clairement, c'est Sonic Galaxy, ça. Hein. Ils se sont dit, putain, hey, ce Mario Galaxy, ça a vachement marché. Mais vas-y, viens, frère, on fait la même. Voilà. C'est quand même mieux quand tu te mets du bon côté. Saloperie, là. Mais c'est vrai, c'est... Mais oh, mais il fallait sauter par-dessus, mon petit. Genre, non, mais c'est ça. Et encore. Si tu trouves... Goldlagon, si tu trouves que là, il parle beaucoup, regarde n'importe quel niveau de Sonic Boom sur Wii U. Bon, par contre, le changement de caméra sauvage avant les ressorts, ça pue un peu, attends. J'ai pas une vie, merde. C'est quoi ça? D'accord. Ah, je me demande si c'est pas ça que j'ai eu au précédent boss. Effectivement, c'est un saut sur un mur, ça c'est fait. Mais. Tasse. Ah, c'est ça là, il faut du scotch, les gens. Hein. Wow, c'est n'importe quoi! Wow, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai là? C'est... J'ai un... C'est pas un ressort que j'ai, c'est genre une... C'est une boule de gomme qui va trop, un peu trop vite. Mais attends, c'est les ennemis de Sonic 2, ça? Non, faut que je récupère mes... Le problème, c'est que dès qu'il s'accroche à un mur, il veut faire du wall jump à la Mario. Mais... C'est Mario le meilleur à ça, celui que tu peux pas tester. Mais... Voilà, comme ça. On y va. Oh, tous ces anneaux, c'est tellement beau. Là, c'est une toupie, bourrin. Wow! Le coin est à peine tendax. Ouais, je suis passé, tas de bitches! Moi, j'ai récupéré une vie avec les anneaux. Déjà ça. Ok. Alors, on est seulement au milieu du level là. Youhou! On se casse! À 3 vies par contre, ça va être chaud patate hein, pour la suite. Allez, quand même. Nut! Je vais vous nuter! À défaut de pouvoir vous looter. Bah oui, mais forcément, les dudes. Ah, de vie, ça sent... Vous sentez l'odeur qu'il y a dans l'air? Ça sent bon le game over. Ah, ça sent bon game over, là, les gens. Un bon game over à la fraise. Donc là... Il va déjà falloir tourner. Quelque chose. Ouais, c'est pas mal là. C'est pas mal là. Ouh, stylé. Je suis tellement pas prêt pour la suite. Tu as le don pour rassurer les gens, Chompire. Ah, c'était dans... Dans quoi? Dans Sonic 3 et Knuckles, il y avait ça. Enfin, dans Flying Battery, il y avait ça. Dans Sonic et Knuckles, du coup. Entre autres. Je me demande s'ils avaient pas déjà fait ça dans la zone finale de Sonic 2. Ça emballe qu'il y a des pics là au-dessus.
Oh, à une capsule. Oh, trois capsules, les dudes. Ah oui, bah là, de toute façon, ça me paraît relativement évident qu'il faille faire ça. Hein. Hop. Vas-y, continue à balancer des anneaux, monsieur. Ok. À une ressort. Ok. Très bien. Oui. Ah, c'est bien, tu me files des ressorts pour me donner une vie. C'est gentil, ça. Des ressorts, des anneaux, pardon. Ils veulent vraiment pas que le joueur crève ici, hein. J'ai eu... Ok, j'ai gagné deux vies, là. J'ai gagné deux vies dans ce coin. Bon, évidemment, t'as le checkmate juste après. Mais tu ne ferais pas de mal à une dame, pas vrai ? Bien sûr que si. Je vais tellement pas me gêner. Bon. Oula. Je m'en veux pas, mais je vais surveiller ce que tu fais d'abord, madame. D'accord. Attends, un petit spinage dans la... À vous. Voilà, mais j'ai vu. Ah, punaise. Je pense que j'ai compris comment il faut faire. Maintenant, il faut juste mettre ça en action. Voilà. Comme ça. T'es où? Voilà, comme ça. Ah, si je peux juste la frapper, au moins c'est bien. Au moins, ça va résoudre le problème très rapidement. Voilà, c'est fini, non? Bah voilà. Bon, j'avoue que le contraste entre le premier affrontement et le deuxième. Écoutez, moi j'ai fini, je vais tataner le pimpon, je vais pas me plaindre. Ah, c'est bien, ça fait baisser un peu la tension. C'est pas une mauvaise chose. Allez, monde 5. Je commence à en avoir assez de trimballer ta tête partout, alors je t'ai fait un corps avec de la neige. Oh, mes jambes. Bonne vanne. On peut vraiment dire que tes robots sont le reflet exact de ton génie, Dr. Eggman. Tout le monde sent qu'il y a un boss cool. Bon, attendez, ça me donne une super idée. Je crois connaître un moyen de faire imposer l'examen de perdu en utilisant. Pause peut-être après le monde 5. Là, j'avoue que avoir compris comment fonctionnait le boss, ça a fait bien descendre la tension quand même. T'as perdu la tête ? Oui, je pense que je peux faire encore un monde avant de partir. Les dommages collatéraux ? Mais quelle sorte de monstre ? Je rêve où Eggman vient de sauver Tails là. Désolé, je me suis senti soudainement très méchant. C'était pas très malin de visser cette tête d'ahurie sur un robot de combat. Avec le recul, je dois dire que je suis d'accord avec toi, Doc. Merci de m'avoir sauvé. Tu peux te lever, Mac. LOL. J'arrive pas à te comprendre. D'abord, tu envisages l'option génocide, et après ça, tu sauves la vie d'un de tes pires ennemis. Je suis quelqu'un de complexe. Ah bah, on a remarqué. Et toi hein. Je peux savoir ce qui t'a pris, Tails? Tu sais que t'as failli te faire tuer. J'essayais juste de me rendre utile. Ça va être la mer noire. Bon, ben voilà, monde 4 terminé. Ça n'a pas été facile, mais on l'a terminé. Oh, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, le saut au mur, c'est vrai. Ouais, une vie, yes, je vais l'utiliser tout de suite. Ok. Et on est bientôt à 1500 bestioles, j'avais pas un truc à faire à 1500 bestioles, moi.